depuis des années qu'on est dans le loup l'enveille à les voir regarder ça. Évidemment, le Rafale propose d'énormes écarts de vitesse. Regardez ça, à la vitesse d'une grand-mère à vélo. Et si vous voyez voler les grand-mères à vélo, soit la grand-mère a un problème, soit c'est vous. Retour sur le Rafale, regardez. À basse vitesse, à très basse vitesse, 50 kilos qui se promènent, il n'y a pas de photo. Yeah, 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 yeah. Et on remet la gamelle. 128 000 tours à chaque turbine au moment où je vous parle, c'est extraordinaire. Imaginez qu'il y a deux réservoirs dans cette machine et que chaque réservoir embarque 5 litres de carburant. Hier, l'avion s'est posé, il ne restait moins d'un litre dans chaque réservoir. Quasiment 10 litres de kérosène vont être ajoutés en quelques minutes. Regardez ça, la maniabilité. Et ce n'est pas fini, Franck a pris un tour dans son sac, et croyez-moi. Nous avons déjà vu le fumigène de l'avion. Regardez ça, c'est quelques mètres à peine sur un avion croisiste. C'est complètement fou. Vous avez vu également la fameuse fausse post-combustion qui s'allume dans les tuyères. Il s'agit en fait d'un artifice créé par des couronnes de diodes électroluminescentes que Franck allume en fonction de ses envies pour simuler la post-combustion. Mais c'est du toc, mais ça le fait très bien. Regardez ça. Oh, les images, la couleur, la lumière, la machine, le pilote. Attention, je le connais le frère, je le connais. Tiens, et prends ça dans les dents. Et voilà. Je vous l'avais dit. Les chiffres clairs, comme on dit en anglais, les leurres thermiques en grandeur dans la réalité, ce cycliste bel et bien. Mais oui, quand vous avez dans vos 6 heures, en clair, dans votre popotin, un ennemi qui vous a lâché quelques missiles à autodirecteur infrarouge, en clair, des missiles à tête chercheuse qui se guident sur la chaleur de vos moteurs, vous avez intérêt à tirer les leurres thermiques qui, par leur capacité, eh bien, de température, sont à même normalement de distraire de leur trajectoire les missiles qui vous sont destinés. C'est ça qui est décidé ici. Regardez. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Ouais, 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 ouais. J'adore ça. Regardez, vous dites. Tout à fait, sincèrement et simplement, j'ai le grand privilège de voir commenter. Je porte des dizaines de fois cet avion et ce pilote un peu partout en France et ailleurs. Et je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Je crois que les jours où cet avion sera remisé dans un musée, il me manquera quelque chose. Alors profitons-en. Regardez ça. Alors France, vous le savez, un habitué des Beugins, donc il connaît parfaitement ce que j'appelle le couloir de Beugins, bref, la partie qui prolonge l'axe de piste juste devant le bois, et il en profite jusqu'au bout. Il va la prolonger, sa ligne droite jusqu'à là-bas, remonter au-dessus et redescendre ensuite. Regardez ça, Yaya. Waouh. Il sera bien sûr présent au Jetfly de Grosbouge fin septembre, à ne rater sous aucun prétexte. Et si vous aimez les jets, parce qu'il n'y aura pas que lui, croyez-moi, le gratin du haut du panier du top niveau français et européen sera présent là. Il vous salue. Regardez ça. Juste après un jour sur le Jetfly du mois de septembre à Grosbouge, je suis le français, belge, allemand, hollandais, anglais. Parfois espagnols sont dans notre chaque année, c'est littéralement le haut niveau européen qui se rassemble là fin septembre chaque année à Maubeuge. Le rendez-vous est pris. Courte finale est là parce qu'il faut quand même ramener 50 kilos, mine de rien. Même si c'est Franck, même si c'est le Rafale, même si c'est dans la poche d'office, c'est toujours. Ouais, évidemment. Le Christophe à la solo, celui-là, alors regardez. Oh, le Kiss Landing, sous vos applaudissements, comme toujours, j'ai envie de dire, mais chaque fois, le frisson sur les bras, et les bailleurs parfois, eh ouais, ouais, ouais. Ah, c'est joli, extraordinaire, merci Franck, comme toujours, ah là là, bombe de fou, et c'est pas fini, loin s'en faut. Je vous rappelle, l'ami du public, que nous avons toujours la pyrotechnie du côté des utilisateurs, et que le show sera très loin d'être fini pour autant, hors de question de partir après la pyro, tandis que Franck vous salue, de façon... Merci Franck, merci. Ah, dites donc.